دشن الرئيس المدير العام لمجمع يسون أتراك عبد المؤمن ولد قدور محطة جديدة لضغط الغاز بحسر مل ولاية لواط، والتي ستسمح بتعزيز قوة ضخ الغاز حيث تقدر طاقتها بتسعة ملايير متر مكعب. كما تفقد مشاريع أخرى تهدف إلى الرفع من قدرات الإنتاج ونقل الغاز ورفع من قدرات التحويل. التغطية كانت لإيمان عياش. On est en train de continuer à augmenter nos capacités de transport. C'est ce que vous avez vu ce matin, c'était l'augmentation de 9 milliards de mètres cubes an. Et avec la deuxième loupe du GR7, on va augmenter jusqu'à 16 milliards de mètres cubes an. Le boosting de Hassir Mal est un projet extrêmement important parce que Hassir Mal, c'est l'un des plus grands projets qui existent au monde. Les installations que vous avez vues, c'est des installations qui sont uniques. Elles sont certainement la plus grande installation dans le domaine du boosting de gaz. Et le boosting va nous permettre d'atteindre 190, 200 millions de mètres cubes jour. Troisième projet que vous avez vu, c'est la transformation de l'entreprise en digital. On a besoin d'être au top niveau du point de vue système d'information pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est assigné d'être parmi les cinq top plus grandes entreprises dans le monde. الرئيس المدير العام لمجمع يسون أتراك عبد المؤمن ولد قدور صرح أن العديد من الشركات الأجنبية أعربت عن رغبتها في الاستثمار بالجزائر. De discuter avec des partenaires pour voir avec qui on peut développer ces plus. Mais le gaz existant, il faut qu'on l'utilise, sinon ça n'a pas de sens. Donc c'est des ressources importantes que nous devons exploiter. Et nous sommes en train de discuter, on est en train de voir avec qui on va le faire. Mais ce qui est certain de savoir, c'est que toutes les grandes entreprises dans le domaine du pétrole et du gaz veulent venir en Algérie. Et ça, c'est un élément important parce que il y a quelques années de ça, on n'était pas fréquentable. Il y avait les problèmes de sécurité, il y avait les problèmes administratifs, bureaucratiques. Il y avait trop de problèmes pour qu'on puisse les attirer. Maintenant, tous veulent venir. Ça, c'est clair. وفي هذا السياق دعا رئيس مجمع يسون أتراك عبد المؤمن ولد قدور إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري للرفع من قدرات الإنتاج. Problème que nous avons réglé maintenant, c'est d'avoir créé trois filières, une de recherche, une managériale et une technique, qui nous permettent, même quand il est technicien, de rester technicien, mais il pourra monter dans la filière en tant que technicien. Et ce problème est un problème de fond. On a une trentaine de personnes qui travaillent à temps plein dessus. Et définitivement, si on ne règle pas ce problème de la ressource humaine, on n'irait pas très loin. Donc pour moi, c'est l'objectif numéro un d'ici la fin de l'année, Inch'Allah.